Bah, coudé à 56, les messieurs 13-51, toi, dis donc, t'es pas loin, là. Ouais, 73-51, non, je passe Libourne. D'accord, je viens juste d'attraper la brocade de Libourne. Ah, bah ça va, tu veux prendre? Eh oui, ce soir, je m'en vais, là, du côté de... Je m'en vais sur Cadoujac. Ah ouais, bah moi, je m'en vais du côté de Castillon. Ah zut! Ah merde, c'est trop con ça! Et là, t'es. Bah, du coup, tu dois être rendu sur la départementale en direction de Castillon là. Ouais, affirmate. Mais ça va, je charge que demain matin. Ah oui, bon, bah c'est sûr et certain qu'on s'est croisés. Ouais, c'est pour ça, j'ai tenté le coup, ainsi. Mais oui, et t'as pas vu un Duster blanc passer des fois là sur ta route, enfin qui t'a croisé? Toutes les voitures sont noires aujourd'hui. Ouais, vu l'heure, c'est pas faux. Ouais, il fait nuit de bonheur. Putain, tu m'étonnes. Bon, qu'est-ce que tu deviens depuis hein? Bon, pas grand chose. J'arrête pas de bouger, quoi. Donc là, c'est pour ça, j'ai pas le temps d'aller sur les forums, j'ai plus le temps de rien, donc voilà quoi, boulot à fond. Même au QRA. Et dire qu'il y en a pendant ce temps-là qui n'est carrément pas de se plaindre de ne pas savoir quoi faire, ceci, cela. Ah si, bah nous on n'a pas connu le confinement, quoi, c'est ça le problème. Ah bah ça, tu vois, moi non plus. Hein. Et au contraire, c'est même là que j'ai davantage bossé. Comme là par exemple, là je m'en vais là pour 4 nuits d'affilée, dont 3 sites différents. Alors ouais, un petit peu le truc. Ah oui, quand même. Bon, c'est ça, les agents de sécurité, hein, c'est comme les routiers, hein, ça n'arrête pas. Oh putain, non. Parce que là, ce soir, alors ce soir, Cadoujac. Demain soir, du côté de Saint-Émilion. Après-demain soir, eh bien, je crois que je retourne à Cadoujac. La nuit suivante, je dois être du côté d'Abzac. Et pour le week-end prochain, je m'en vais cavaler du côté de la Roche-Chalet par là-bas. Après, je sais plus. Faut que tu demandes à ton YL. Ouais, c'est un peu ça en gros. Là, j'ai le planning de la poche. Mais en général, je regarde au jour le jour. C'est ou peut-être allez 2 jours avant, mais pas plus, puisque rien que cet après-midi, j'ai encore une modification de planning. Bienvenue au club, nous c'est pareil, on sait quand on part, mais 5 minutes après le planning peut changer quoi. Et on sait pas quand est-ce qu'on revient, donc là tu vois, je sais pas quand est-ce que je reviens. Là. Ah ouais, en gros c'est ça. Enfin bon, moi si, par contre, je sais que là demain matin je débauche à 6h, après demain je débauche à 7h, après je sais plus. Ah bah on aurait besoin de savoir en fréquence demain matin alors du coup. Ah c'est bon ça alors. Bah ouais, je te dis, je recharge que demain matin, donc... Oui, mais bon, tout dépend à quelle heure tu te lèves, parce que bon, là, moi, je débauche à 6h de Cadoujac. J'aurais peut-être Daniel 100h en fréquence, à voir. Pour les autres stations, je sais pas, peut-être la Belette, je sais pas, peut-être. On verra bien, puis, eh bien, ok, en venant par ici, peut-être Christophe, je sais pas. Et ouais, après en suivant toi, donc je devrais être dans les environs vers 7h moins le quart, je pense. Ouais, 6h30. Ah oui, ouais, peut-être, oui. Voilà, de toute façon, moi je m'allais vers les 6h30. Ah bon, c'est ça. Dis donc, hey, plus j'avance et je vois pas trop le signal bouger. T'as l'air d'avoir du bon matériel derrière. Bah, toujours les mêmes, hein, le CRT 9009 avec mon antenne Santiago 1200 mis sur la portière à côté chauffeur. Tu vois, là, la régler, mais là, c'est bon, je l'ai réglé comme il fallait, là. Ok, ah, enfin, je commence à voir le signal bouger. là, je suis en train de passer au-dessus de la National 89, là, avec la sortie 9.
Ah ouais, bon, ça va. Bah tu me dis hein, si tu m'entends plus, hein, parce que j'ai ce qu'il faut, hein, sinon derrière. Comme je veux pas garder le CRT 9009 dans le mille-pattes, je compte mettre à notre poste. Donc j'ai mis un petit tonton, quoi. Ouais, ben moi c'est pareil. Hein. D'ailleurs là, il est enclenché. Ouais, il est enclenché. Hein. Bon, je l'utilise qu'à 50%, j'ai pas besoin de plus. Ouais, ben moi il est pas encore enclenché. Hein. J'ai juste la puissance du poste là. Et oui, mais le tien il est quand même beaucoup plus puissant que le mien. Hein. C'est. Voilà. Hein. Comment vous dites déjà? Ah oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ouais, c'est ça, putain la vache, je viens d'arriver sur la voie rapide, la 989, et ça a descendu d'un coup, là. Ouais, bah, c'est arrêté de bouger, aussi. Ah, ben si tu me le dis pas, aussi. Ah, j'ai vu une de tes vidéos avec, comment elle s'appelle, Monopoly, ouais. Ah ouais, putain, t'as vu ce poste qu'il a? Oh la vache. Ah non, mais lui, il a intérêt à mettre un antipole dessus. Hein. Ouais, c'est clair. Ben, je crois que je l'avais croisé, mais je l'avais essayé de l'appeler en séquence, mais il a pas répondu. Alors, peut-être plus simplement qu'il reste... Attends, c'est le 14. Ouais. Ça retrouve, si tu descends sur le 14, ouais, je crois que c'est ça. Là, tu auras plus de chances de l'avoir. Ben oui, il est en convoi exceptionnel. Mais... Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça va, il y en a qui se promènent, ben, chier. Ah oui, c'est sûr, et puis le salaire n'est pas le même, là. Attends, bouge pas, je vais changer la puissance du poste pour voir. Ouais, ben ça va encore, hein. Voilà, je viens de changer la puissance. Ok, ouais, effectivement, j'ai vu le signal monter, hein. Ah, ouais, ouais, par contre, tu vois, au niveau clarté radio, son, c'est quand même meilleur. Donc, peut-être que tu rentres un petit peu fort dedans. Ah bon? Ouais, peut-être, une idée comme ça. Ça a l'air d'aller, ouais, enfin j'ai pas vraiment vu de différence. Voilà, j'arrive au niveau du radar là sur la NASA 89. Alors c'est là, bah tu sais où il est le radar de toute façon. Ouais, celui-là, ouais, on dit où il est, ouais. Il n'y a pas de soucis. Mais sinon, tu as, ouais, t'as Noël chez toi ou quoi? Attends, j'ai pas compris. Ah mais non, j'ai pas ce boulot. Je serai le 24 en nuit du côté de d'Abzac. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ben, on dirait que je t'ai perdu, là. Ah, ok, bon, pas de bol, hein, pas de bol. Elle sera peut-être un cadeau, un striker, peut-être un chiffre. À 500 et quelques euros le poste, là j'ai un gros doute. Hein. Ah, faut croire en Père Noël un petit peu. Ah, si. Ouais, c'est surtout la Mère Noël que je crois davantage. Ah, pour ça, il faudrait que je vende le décamétrique que j'ai à la maison là, pour pouvoir me l'acheter. Là, oui. Marc, c'est vrai que c'est une idée là qui me tente par la tête en ce moment, ça. Puisque c'est vrai que si je regarde de bien, en fin de compte, je ne descends pas trop écouter sur les bandes basses. Je suis plus à rester sur, du côté CB. Et au bout du compte, c'est vrai que je me dis, mais est-ce que ça m'est vraiment bien utile d'avoir un tel poste là, pour faire de l'écoute comme ça ailleurs? Pas si sûr, vu le peu de temps que je passe ailleurs. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, comme tu dis, quoi, il vaut cher quand même le poste, hein, il vaut cher. Ouais, ben disons que c'est... déjà, c'est les frais de port hein, qui coûtent très cher. Hein, parce que bon, il arrive des États-Unis, hein, sinon il a 400 et quelques euros. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est bon. Faut
pouvoir l'utiliser donc il vient à l'autre. Ouais, je suis en train de te perdre. Alors, je vais tomber dans une cuvette, le 73-51, toi, content de t'avoir eu. À la prochaine fréquence, ou à demain matin. Ok, à la prochaine, et puis bon pour toi. Allez, bon chiffre. Ah putain, j'étais encore. J'ai commencé à le perdre à un moment donné, ça remonte un peu. Ouais, non, je vais avoir le trou de... Je vais tomber dans le trou de du village, de la poste. Alors là, c'est pas la peine. Ok, très content de t'avoir eu, et il n'y a pas de souci, je t'appelle demain matin. Ah là, oui, les 73, bonne nuit. Ah si, ouais, pas de problème. Allez, bon courage. Salut. Ok, salut. Alors attention, Joël, pour Dandy33 qui t'appelle. Attention, Joël, là, qui est du côté de Bordeaux, là, à 13 km de Bordeaux, à Chy, pour Dandy33 qui t'appelle. C'est quelqu'un que j'ai eu en fréquence là tout à l'heure. Eh bien, il suffit de regarder la précédente vidéo là pour voir ça. Alors, il est 6h10, côté circulation sur le pont François Mitterrand, là, le pont Rive d'Arcin. C'est tout cuir roux dans les deux sens. Et bonne soirée 13-51 à tous de la part de Dandy33 et bonne route. Sur Barracuda 56 pour Dandy33 qui t'appelle depuis le pont de la rocade de Libourne. Ouais, oh, il a sa petite voix du matin, Hachi 3 coups. Voilà, je suis au coin de c'est quoi ça, Citroën. Voilà, là, avec les ronds-points. Ok, oh, mais t'es pas Saint-Pédarmont des fois? Attends, là j'ai pas mal de... Je suis en plein dans la zone commerciale et tout, là je suis un petit peu là avec URM. Alors, ouais, j'ai pas trop entendu. Si t'es à Saint-Pédarmont, là comme je le pense, eh ben, on pourrait presque se faire, on pourrait même se faire un petit visu éventuellement. À moins que tu sois à poil, alors là pour le coup c'est sûr que... Non, moi je trace la route. Attends, j'ai noyé la QRM. Attends que je me sorte de là. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est de... J'ai cru comprendre que c'était ça, quoi. Ah ben d'accord, donc c'est bien ça. Bon, ça a été cette nuit, t'as pas été trop dérangé là par les voitures là, qui passent là sur la départementale. Bon, ça a été, mais bon, très mal dormi quand même. Pas super bien dormi, parce que là on est un petit peu en pente là, en fait là, donc c'est pas génial. Ah ouais? Donc tu serais pas alors le... Si tu es... tu es à Saint-Pédarmont, c'est ça? Là du côté du relais routier, c'est bien ça?
Bled, là, c'est un PS d'Armand, là, je sais pas quoi, là. À tes souhaits. Ouais, ok, ouais, donc c'est bien ça, là. Donc, il y a là, je suis pas du coin. Ah, tu m'étonnes. Ça, c'est clair. Bon, là, je repasse une nouvelle zone de QRM. Voilà, là, il y a toutes les boutiques, là, là sur le côté, avec, c'est quoi, le TBL qui est en face. Voilà. Oh, tu sais, hein, moi, c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je suis ici. Hein. Juste depuis 87, c'est tout. Hein. Ah, bah, tu m'étonnes que tu connais pas le coin. Oui, c'est normal, Magie. Ben oui, j'ai pas eu le temps de visiter encore, hein. C'est trop récent. Quoi. Remarque, dans mon coin, moi j'habite depuis 2020-2001, et tu vois, j'ai pas le temps d'aller visiter non plus le coin, parce que je suis jamais en Bretagne, donc voilà quoi. Quelle idée d'habiter dans le pays où il pleut tout le temps, quoi. Non, mais c'est vrai, plus sérieusement, c'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait boulot, maison, maison, boulot, les écarts, ben, c'est pour aller faire des courses. Donc, et puis on revient aussitôt à la maison, et puis qu'est-ce qu'on visite des environs, et bien que dalle. Et puis forcément avec le boulot pas le temps non plus quoi. Tu rentres le vendredi, tu repars le dimanche, tu rentres le samedi, tu repars le dimanche, donc voilà quoi. Ouais voilà c'est ça, ouais, c'est exactement ça quoi. C'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Bah bon on le veut bien, enfin ouais, enfin non, c'est vrai que toi c'est particulier toi. Je vois pour ma part, bon j'ai des jours de repos n'importe quand. C'est vrai que y a toujours quelque chose d'autre à faire qui vient se greffer devant et puis on prend pas le temps quoi. C'est ça le problème, je crois qu'on prend pas le temps. Voilà, oui c'est ça, oui, j'arrive au Bigarou. Ouais. Ah, les Bigarous, c'est là où il y a le radar là, qui est sur la droite. Hein. Ok, bah moi j'ai une semi marquée Jacob dessus. Jacob. Eh, ça serait pas comme des fois aux États-Unis, une église carrément d'installer dans la remorque. Ah, je suis trois coups. Ah non, 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 là c'est le cimetière là, qui est accroché là. Alors attends, une fois, qui c'est que j'ai attrapé comme ça? Le révérend. Il y a un mille pattes. Son QRZ, c'est le révérend. Oui, j'ai vu ta vidéo là-dessus. Là. Ouais, ouais, le révérend, ouais. C'est un drôle de QRZ, ça. Ah ouais, j'ai trouvé ça excellent, ça c'est un truc qui marque ça. D'ailleurs, si ça te dérange pas, là je suis en train d'en faire une. Hein. Ah bah si ça me dérange, bravo, bah bravo, bah maintenant on sait que je suis là, bah bravo. Ah, tu seras déjà parti, tu seras déjà loin avant que certains l'écoutent. Hein. Ah si, est-ce que... Heureusement que les papas 22 n'écoutent pas ça, hein. Ah non, les dieux. Ah, tu m'étonnes. Pourtant, je me souviens, là, jusqu'à, allez, on va dire, peut-être milieu des années 90. Ouais, pas plus. Ouais, ils étaient dessus, hein. Ils étaient dessus, ils écoutaient, des fois, ils discutaient avec nous, hein. À nous balancer des fausses infos aussi. Hein. Ah, c'était le jeu du chat et de la souris. C'était marrant, quoi. Bon, ben ça, ils savent le faire, ça. Nous donner de fausses informations, ils savent le faire. Il n'y a pas de problème.
Ouais, maintenant ils le font via les applications internet, un truc comme ça. Il y a des fois des informations trompeurs qui sont balancées. Ouais, c'est clair. Enfin, moi j'ai, comment dire, il y a une application aussi là où ils se mettent. Je sais plus, c'est Waze ou je sais plus ce que c'est que leur application là, Waze, je crois. Et c'est en fait tous les abonnés là, ils disent où ils sont placés, mais bon, c'est pas tellement bon non plus. Oh putain! Il y en a, ils gobent, hein. Ils gobent, hein, parce que déjà, c'est pas. Vu que ça passe par intermédiaire, là, je suis pas loin, hein, j'ai sapé d'Armand en ligne de mire, là, au bout de la route. Dès que. Ouais, les gens gobent, foncent, croient vos conneries qui sont mises là-dessus. Et surtout que ouais, ça passe par intermédiaire. Donc, forcément, l'information est manipulée, quoi. C'est pas comme à la CB par exemple, là c'est du direct. Ah bah c'est clair. Bah, t'as eu du monde ce matin là, sur Bordeaux. J'ai l'impression que pour tous, le réveil est tombé en panne. Voilà, pour le coup, c'est silence radio. Ah voilà, il suffit que j'arrive, plus personne répond à la radio. Ah bah super. Putain, tu vas me casser l'aiguille. Hein. Là, j'arrive au panneau Saint-Pédarmont. Ah, j'ai mis la puissance vraiment, vraiment, vraiment au strict minimum. Ouais, bah, je viens de la baisser également. Oh, putain, j'ai pas vu la différence. Hein. Ah bah, désolé. là au mini je dois avoir combien oh, je crois que c'est je sais plus si c'est de 2-3 watts, un truc comme ça au mini. Ce qui est sûr, c'est que quand je règle à 8h, 8h30, ça me fait une sortie de 4 watts à peu près. C'est le premier camion là, que je vois là où, oh oui, il n'a pas 50 je crois. Ah bah ouais, il regarde derrière moi le petit là. Oh putain, oui, je vois ça. Ok. D'accord, ok, je coupe, je mets le masque, j'arrive. Et ben voilà, et un visu de plus.